Grâce aux outils fournis par FHR, il est possible en fait de mettre ses tarifs à jour tous les jours sur les, par exemple, les 90 jours à venir. C'est-à-dire qu'on peut pratiquer une politique de prix totalement dynamique. Moi, par exemple, tous les matins, je mets à jour donc mes tarifs sur les 90 jours à venir. Pour cela, je commence par intégrer les recommandations de prix de mon rate manager, car en effet, mon rate manager est interfacé avec FHR. C'est encore une fonctionnalité proposée par FHR. Donc, je viens ici, je clique sur interface, revenu manager, et je commence donc par intégrer le fichier Excel des recommandations de mon rate manager. Donc ici, j'ai l'ensemble des tarifs que j'ai intégré à partir d'un fichier Excel. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à ouvrir l'outil de mise à jour des tarifs qui est ici. Je clique là et là apparaît une nouvelle fenêtre où c'est que les dates apparaissent en colonne pour chaque mois. Là, on est sur le mois d'octobre et en ligne, je vois sur la première ligne le tarif de ma chambre standard. Sur la deuxième ligne, le prix moyen de ma concurrence et sur la troisième ligne, le prix recommandé ou en tout cas recommandé par mon rate manager. Alors ces tarifs-là, à partir de là, je peux soit choisir d'appliquer les prix recommandés en globalité ou appliquer chambre par chambre. Par exemple ici, je vais donc décider d'appliquer tous les prix recommandés. Et ensuite, j'ai une nouvelle fenêtre de validation qui apparaît. Dans cette fenêtre-là, j'ai aussi la possibilité, si je le souhaite, d'ajuster au cas par cas des tarifs de la chambre pour certaines dates pour lesquelles j'estimerai, pour une raison ou pour une autre, que finalement, l'ajustement n'est pas idéal. Et ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer sur « Appliquer », de reconfirmer cette mise à jour de tarif. Et ça y est, c'est fait.